Alors, je pensais que ça allait être stylé, mais il y avait une autre terrasse en dessous. Ah, tant pis. Bonjour YouTube. Bienvenue dans ce quatrième épisode. Installez-vous confortablement, on va continuer l'histoire principale. Je suis garé. Bah si. Mal, mais je suis garé. Salut Ghoul, la forme? J'ai réussi à te récupérer des fringues de New Dawn. Avec ça, tu passeras inaperçu. Nice. Ouais, merci mec. T'inquiète, fous-leur la misère. Yeah. Oh là là, ce petit style. Oh là 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 là, ce black en costard. Mon dieu. Oui. Bonjour. Je suis Jason Lowell. Je suis ici pour votre audition. Ah oui, Jason Lowell. Vous êtes très fort, il paraît. Allez-y, entrez. Merci de me recevoir, vraiment. Asseyons-nous. Alors, et si on s'y mettait? Mes sources m'ont dit que vous aviez formulé quelques doutes à propos de l'église. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Des doutes, c'est un bien grand mot. Disons que je suis un peu moins inspiré qu'à une certaine époque. Jimmy, n'ayez pas peur. Vous pouvez vraiment tout nous dire. Vous avez raison. Oula. Ok. C'est un flanc. Il y a certaines rumeurs à propos de cet endroit où on emmène les membres de l'église quand ils ont des problèmes. Et ils n'en reviennent pas avant un sacré bout de temps, quand ils reviennent en tout cas. Je suis au courant de ces rumeurs et vous savez quoi? Rien de tout ça n'est vrai. Mais c'est tout? Je vais pas avoir d'ennui? Pour avoir dit la vérité? Non. Merci infiniment, je vous promets que vous n'aurez pas à le regretter. Écoutez, juste une dernière chose. J'ai vraiment envie de creuser cette histoire de rumeurs, alors vous savez où ce camp imaginaire est censé se trouver? J'en sais rien, et j'espère ne jamais le savoir. Est-ce qu'il a un nom, alors? La Chambre Rouge. Il l'appelle la Chambre Rouge. Oh, et Jimmy, une dernière chose. Vos 5 derniers films étaient vraiment... vraiment à chier, alors essayez de faire mieux. Allez, gardez la pêche. Ciao. Ça, c'est fait. On va piquer une bagnole juste devant les queues. Mais il y a quelque chose qui cloche. Jimmy Siska a peur d'un truc appelé la Chambre Rouge. Jimmy Siska, dans la Chambre Rouge. Apparemment, ce truc, c'est une espèce de centre de désintox où ils envoient tous les membres de l'église qui leur posent des problèmes. Et ceux qui y vont, bah, parfois, ils y restent toute leur vie. S'ils kidnappent vraiment des gens, c'est notre meilleure chance. J'ai aucune info là-dessus. Tu veux que je me renseigne? Non, je gère. Merde. Allô? Miranda à l'appareil. Ouais, c'est moi, Marcus. Marcus? Holloway? Comment vous avez eu mon... Oui, j'avais oublié. J'ai besoin d'une info. C'est au sujet de New Dawn. Ça vous dit quelque chose, la Chambre Rouge? Miranda? Je vous envoie une adresse. Retrouvez-moi là-bas. J'ai juste besoin d'infos. Ok. Ah, ça fait loin! Ah, ça fait méga loin! Oh, vous m'en voulez pas, hein. On va rouler un peu vite. Accrochez vos ceintures! Ah. Journée sans moto! Bon, pas deux fois parce que j'ai déjà un point là. Donc, Aïe! J'ai mal au crâne. Allez! Une borne et quelques. Je m'amusais avec la voiture des flics, je sais pas si vous avez vu. Oh! J'ai pas réussi à le faucher. Ouais, non, pas là. Aïe! Ah, j'ai déjà plus de capot. Lol.
Oh yo, le camion n'était pas prévu. Il m'a fait un peu peur, j'avoue. Ok, on va aller à la plage. On va s'occuper de téléphone piraté, je crois. Un petit peu de hors-piste, ça fait toujours plaisir. Attends, pourquoi elle a pilé d'un coup comme ça la bagnole? Ok, camouflé, on est bien. Yo! C'est un homme ou une femme? Alors, c'est quoi votre problème? C'est nous le problème d'après Newton. Qui nous? Detzek. Je le savais. J'ai quelques amis qui rêveraient de vous envoyer en prison. J'ai pas peur de me battre, et vous non plus à une certaine époque. Je vous demande pardon. Vous aviez pas tellement peur de vous attaquer à Newton, si je me souviens bien. Mais bon, je comprends. Vous êtes au conseil, vous êtes importante. Non, 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 non. Ne venez pas me sortir que je suis une vendue maintenant. Ces ordures détruisent des vies jour après jour. Ils sont allés jusqu'à publier des vidéos de mes opérations. Sauf que voilà, j'en ai rien à secouer. J'ai rien à cacher. Mais vous avez raison. Je suis au conseil maintenant. Je ne peux rien faire. C'est pour ça que vous m'avez demandé de venir ici. Besoin de moi. On a chacun besoin de l'autre. Mais surtout, j'aime finir ce que j'ai commencé. Première chose, n'allez pas croire que New Dawn est une église. C'est une organisation criminelle. J'ai examiné les dossiers de toutes les propriétés qu'ils possèdent dans la baie et il y en a une qui cloche, là-bas. Elle est indiquée comme centre éducatif. Sauf que les portes sont verrouillées. Personne ne répond et il y a de la sécurité partout. D'après vous, est-ce que ça ressemble à un centre de formation? Non, plutôt un centre de déformation. Je vais rester ici. Vous devriez aller faire un tour. À ma question. Merci, Miranda. Ouais. À ma question de début cinématique, eh bien, je n'ai pas de. J'ai la réponse, mais. Elle va être encore être considérée en tant que telle. Ouais, on pense que c'est ici, mais on sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Par contre, il cache forcément quelque chose. Je vais voir si je trouve un PC, histoire de fouiner un peu. Merci, j'arrivais pas à le déployer le jumper. Voilà. Alors. Voler le registre, mes couilles en ski. Alors, il y en a déjà un qui a cramé. Voilà, je crois que je pourrais pas te sauter. C'est bien parce qu'il y a des petites boxes un peu partout pour les cramer et tout. Ah merde, c'est un mur aussi. Oh non. Oh non, pas cool ça. Ok, cool. Ok, on prévoit tous les coups de possiblement de rameutage de mecs. Ça, je pense que ouais, c'est toujours la même. Oh, toi, tu vas faire bien boum, hein. Ah non, oh, t'as de la chance.
Ah, t'as sacrément de la chance. C'est bon, Ouais, laisse tomber si tu veux. Ah. C'est toi qui es tombé. Hein? Lol. Bientôt disponible, Jumper. Ça y est, il l'est. Alors. Oh, yo, 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 yo. C'est tout terrain, mais tout terrain. Tout terrain, pas trop, quoi. C'est de type ok, mais doucement. Genre tout terrain de ville. Je sais pas. Et hop. Ça c'est stylé, ça, le jumper qui déploie le. Jimmy Siska. Eh ben voilà, j'avais raison. Oui, Marcus. Je suis au bon endroit et ils l'ont bien amené ici. Si j'arrive à le faire sortir, vous pourrez le mettre en lieu sûr. Comptez sur moi. Je serai prêt. Mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Alors j'avoue que j'ai pas trop compris ce que lui foutait là. Parce que je crois pas qu'il avait des raisons de se faire enfermer ou autre. Putain, j'ai pas la clé. La clé, où est-ce qu'elle pourrait être? Yo. Tu n'as rien vu. Je vais juste récupérer ça. Là, il y a un truc. Mais il y a un truc à prendre à la mano. Je sais pas si on fait rentrer, si je sais pas, je sais pas si je fais rentrer Marcus en vrai. Est-ce que ça peut être bénéfique comme ça peut foutre le bordel? Oh putain! Vas-y, avance, tu vas voir ce que tu vas voir ce qui va se passer. Vas-y, avance. On va entendre boum bientôt. Je les colle, hein. Il est pas tué, il dort. C'est lui qui a la clé. Attendez, faut faire tout le tour. Ouais, je préfère la vue en troisième personne. Les autres sont un peu compliqués à gérer. Attendez, il y en a un en fait qui a la clé. Et il faut que je la récupère. Yo. Lui, faudrait que je l'amène. Merde. Faudrait que je l'amène quelque part en fait, lui. Bon, pour le moment, j'ai pas grand chose malheureusement. Je peux pas faire grand chose avec les armes que j'ai. Wow, 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 tranquille. À la limite, est-ce qu'avec ça,
Parce qu'en fait, il y en a un seul qui m'intéresse. Combien de temps, Jumper? À bientôt. Attendez, mais... Il y en a un juste en dessous avec la clé? Attendez, je vais m'amuser avec lui parce que... En fait, il y a une clé en dessous de moi. Ok. Du coup, c'est celui qui a là, sur mon pointeur, qui a la clé. Je le sais parce que c'est marqué sur la map. Du coup, il faut juste que... Oh yo yo, oh. Hop, tu n'as rien vu. Lui, je pense que si je le down en fait, avec quoi que ce soit, avec le jumper, je peux récupérer la clé. Oh non! Ce vol plané, mon pote, ce que t'as fait. Et lui, il est dans sa merac, il est là, tranquille. Ouais, y a des explosions, mais tout va bien. Bon, allez. J'y vais, ça m'a saoulé. Je suis mort. Retourne à couvert. Le truc là-haut sur les renforts. Putain, je me fais allumer. Nous sommes votre famille. Nous vous comprenons. Lâche. Ok. Là, on va en profiter juste pour récupérer ça. Voilà. Par contre, les gars, vous me donnez pas le choix. Pas vous mentir. Ok, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Il y a une clé du coup quelque part. Attends, il y a de la thune. Parce qu'il y a un pélo qui en avait sur lui, il l'a lâché. Du coup, c'est lui qui avait la clé. Ouais, bon, j'ai abrégé un petit peu, monsieur, parce que bon. Voilà. Alors, je te pique ta thune, hein, tu... 200, tu... Le mec se balade avec 200 balles en cash. Tout va bien. Attendez, il y a de la thune aussi là sur la minimap. Il y a de la thune. Ah, c'est ça. Une liseuse numérique. Plus 4000 balles. EQA. Ok. Bonjour. Nelly va faire quelque chose. Jason? Je m'appelle pas Jason et je bosse pas pour Newton. Faut me faire sortir d'ici, mec. Ah non, l'agent, j'ai rien à faire là. Barrez-vous. Allez. D'accord, d'accord. Un peu brouillon encore dans ma tête. J'ai un peu de mal à comprendre l'emmanchement des trucs et pourquoi tout le monde fait ça. Yo. Miranda, Jimmy Siska se dirige vers vous. Ok, et vous? Je m'en sortirai seul. Assurez-vous qu'il lui arrive rien. Hop là, ninja. Oh, attends.
Les pieds de Marcus, ils font pas un truc chelou? Salut toutou. Sorti toutou. Ouais, on prend le temps de caresser le chien, vous m'en voulez pas. T'es un bon chien, toi? Oh, oui. Quoi? Oh, yo yo yo, monte. Allez, on se casse là. Hop hop hop. Voilà. Ça c'est stylé, ça me rappelle une mission de Hitman. Allô? Marcus, Jimmy est en sécurité. Merci Miranda. Non, c'est vous qui avez tout fait. Il veut vous parler, je vous le passe. Marcus, c'est bien votre nom. Je veux cramer tous ces fumiers et je sais par où commencer. Retrouvez-moi devant le temple de Newton. Non mec, il faut porter plainte. On vient de prouver que l'église séquestre des gens. En plus, j'ai tout filmé. On va diffuser la vidéo au monde entier et ça va être bon. Non, non, non. Je peux vous emmener au cœur de l'église. Les reliques sacrées. La source originelle. Ah, ça, okay. C'est une offre que je peux pas refuser. On se retrouve là-bas. Let's go! Bientôt 200 000 followers. On est bien. Retrouver machin à l'extérieur de New Dawn. Et ça c'est où? C'est là. Je pose un point, merci. On va faire un petit peu de bataille. Histoire de changer un petit peu, de pas toujours voler une bagnole et des motos. On va suivre la côte en hors-bord. Et puis ça passe là. Vous pensez que ça passe? Moi je mets un billet sur ça passe. Je crois que je veux pas. Alors physiquement le bateau passait, y a pas de problème. De récentes fuites d'emails. Mais pour le jeu. Pour les studios HMP. Le contenu des documents fait état d'une collaboration contentieuse en cours avec Galilei, la société à l'origine de l'onéreuse voiture high-tech, à l'affiche du dernier blockbuster du studio, Cyberdriver. Les emails révèlent qu'un cadre du studio aurait qualifié le véhicule de vulgaire caisse à savon et menacé de poursuivre en justice la compagnie aérospatiale. En ce qui concerne le studio HMP, c'est un mal pour un bien, car l'intérêt pour le film est monté en flèche suite au piratage, faisant de Cyberdriver un des plus gros succès de l'année. D'après la police, le studio n'a pas encore porté plainte contre le groupe de hackers. Suite de l'affaire sur WKZ. Tu racontes sa vie pendant que moi je tue des gens. Ok, cool. Moi ça me va. Je peux sortir quelque part ou j'ai pas le droit? Oh yo yo yo! Je m'attendais. En fait, il y avait le logo ouvrir, du coup j'ai appuyé. Même si le truc était déjà ouvert, oui, bah, j'ai voulu vérifier. Je me suis dit peut-être que. Excuse-moi. Je suis plutôt déçu. J'ai fait marche arrière, marche avant. Du coup, bah, j'ai pas réussi à arrêter le truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, non. Yo! Donne-moi ta caisse. Allez, à la limite, on prend un camion de la Brinks. On va pas faire... Non, c'est pas un camion de la Brinks. C'est pas des camions blindés. Bracelet fitness. Ouais, puis ça c'est un truc cacheté sur Wish, hein. Non mais ça se voit, tu vas pas me la faire à moi. Tu me laisses passer s'il te plaît. Merci. Mais c'est bizarre, des fois elles reculent pas les voitures. Des fois elles s'arrêtent, elles se stoppent, mais elles reculent pas. Comme la moto tout à l'heure là, quand on était justement dans le camp. Je sais plus ce que je lui ai demandé de faire, mais elle a pas bougé. La Silicon Valley. Ah ouais, ok, d'accord, les poteaux sont sur la route et tout. Oh, c'est pas très sûr ça. C'est pas fou niveau sécurité routière. Sur l'autoroute, vous voyez jamais les poteaux sur le bord de la route, quoi. Ils sont toujours derrière les glissières, les bordures de sécurité, etc.
Question de sécurité, c'est quand même mieux. Tu te prends la bordure, à la limite, tu glisses. Ouais, dégage en fait, juste dégage. Mais du coup, si jamais tu dévis parce que tu t'endors ou quoi, tu te prends pas un poteau en pleine gueule, ce qui t'arrête net ta voiture. Et ce qui te défonce en fait, hein, parce qu'à 130 km/h, un poteau, à mon avis. Poteau 1, toi 0, hein, si vous voulez, mon avis. Yo, j'ai quoi à faire ici? Mais ferme ta gueule, en fait. Me parle pas. Sale folle. D'où tu m'adresses la parole? T'as cru que j'étais ton pote? Pardon. Encore un lancement. Ils arrêtent pas chez Galilée. Psst. Hey, c'est moi, je suis ici. Jimmy Siska. Je suis incognito. Ouais, impressionnant. C'est beau, hein? J'ai vécu dans le péché. C'est pas ouf, en vrai. C'est l'heure de la confession. Ouais, Mission Danger 3. Si ça, c'est pas un classique. Classique. Désolé, je pensais pas que t'étais fan à ce point-là. Ouais, ouais. Avant, ouais. J'ai sacrément merdé, pas vrai? Ah bah, je suis éditeur. C'est un thème récurrent chez moi. Mais il est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Genre, ici et maintenant. Enfin, en y réfléchissant, peut-être pas maintenant tout de suite. Je suis pas vraiment sûr de pouvoir retourner là-bas. Y a pas de souci. Dites-moi ce que je dois trouver, je m'en occupe. D'accord. Alors, ok, bon, tu verras. Il y a un ascenseur qui amène au sous-sol. Au sous-sol, il y a une pièce, et à l'intérieur de cette pièce, il y a d'anciennes tablettes sumériennes qui auraient été gravées par le visiteur lui-même. Non, non, je déconne pas. Et eux, je t'assure qu'ils déconnent vraiment pas. Ah. Ok, ok. C'est bon, je vous crois, c'est parfait. Bon. Écoute, si t'as besoin d'autre chose, t'hésites pas. Yes. Par contre, Ubisoft, vous ne savez faire des jeux qu'avec des fanatiques? Non, mais... Oh yo yo! Oh yo! Les mecs, je vais entrer dans le temple de New Dawn. Jimmy Siska vient d'accepter de dire quelques mots pour notre vidéo. On est prêt. Maintenant, on attend juste que tu récupères le trésor. Fais gaffe aux serpents surtout. Il y en a toujours des serpents. C'est pas ce genre de temple, Wrench. Les serpents, c'est de la merde. Je ferai gaffe. Oh yo! J'avoue que je m'attendais pas à faire ça. Ok, on y va pas, attends, celui-là, ça au moins. Pas obligé de voler une bagnole et tout. Même si j'avoue, c'est un peu long. Ok, rejoignez le sol du temple. Par contre, c'est moche, hein. Vache. On dirait un bâtiment moderne, designé par un architecte qui est vraiment genre dans la fumette. Vous voyez ce que je veux dire? Alors... le terminal de pare-feu. Merde. Ah bon, il l'a pris, tant mieux. Et toi? Non, tu veux pas la prendre? Ok. Bon. Allez. On va avancer, on va se les faire un par un au fur et à mesure, hein. Je pense que... potentiels ont été signalés dans votre secteur.
je vais à couvert. Aïe. Ah, fait chier, il s'est pas montré. Non! Je voulais faire un coup de corps à corps. Bon, c'est pas grave, on l'avait mal commencé. Je sais pas trop comment. En fait, il y a beaucoup de trucs à hacker partout, mais je me demande s'il faut vraiment. C'est ce qu'il faut vraiment faire. Ok, les mecs, je vais entrer dans le temple de New Dawn. Jimmy Siska vient d'accepter de dire quelques mots pour notre vidéo. Mais bon. On est prêt. Maintenant, on attend juste que tu récupères le trésor. Fais gaffe aux serpents, surtout. Il y en a toujours, des serpents. C'est pas ce genre de temple, Wrench. Les serpents, c'est de la merde. Je ferai gaffe. Hop, fumez-tu. Hop là, terminé. Être contu. Hop là. Aussi. Hop, balancez ses potes, tu. Ouais, tout et n'importe quoi, tu. C'est bon, on fait pas attention. J'ai pas la clé. Ah ouais? Eh hey, copain, t'es perdu? J'ai eu peur parce que c'est Marcus, je pense, qui a fait ah ouais. Mais au moment où j'ai dit je sais plus quoi et. Ça m'a fait flipper. Oh, ça c'est Savage. Yo. Hop, ça t'apprendra à regarder les queues de canalisation pour rien. Y a pas une clé là? Genre je suis pas du tout en train de marcher dessus là? Wait. Y a pas une clé là? N'importe quoi, je vois rien. Secours. Je savais pas que je pouvais hacker ça depuis tout à l'heure. Ok, cool. Ces deux là en vrai. Ça. Il est doux ça. Voilà. Aïe. Se prendre une porte dans la gueule, fait. Ouais, ça fait vraiment. Ça fait pas église, même si y a le tout l'attirail et tout, ça fait vraiment secte en fait. Okay, j'aime beaucoup ce système en tout cas. Pourquoi il y a un mec là-bas? Lui il va me ken, je le sens. Je vais me faire avoir bêtement, je vais l'oublier, il va m'avoir.
réveiller, il va m'avoir. Je vous l'avais dit qu'il allait me faire chier celui-là. Je sais pas qui t'aide d'où tu sors, mais tu m'ennuies. Donc je suis désolé, mais... Ça doit être l'ascenseur de Jimmy. J'ai déverrouillé l'ascenseur caché. Attends, c'est quoi cette phrase? Bah quoi? C'est vrai? Bienvenue au cinquième niveau de New Dawn. Félicitations pour votre élévation spirituelle. Attends, tu peux remonter, merci, s'il te plaît? J'ai travaillé dur. Parce que là, il y a un trou, on est d'accord? Putain, pourquoi ils sont deux d'un coup, là? J'ai besoin d'aide! Pourquoi ils sont là d'un coup, ces deux-là? Ok. J'ai bien activé le truc de loin et du coup j'ai pas vu l'ascenseur descendre. J'ai failli y aller en fait et ne pas comprendre que j'allais tomber de 5 étages. Silencieux par contre, très efficace, j'aime beaucoup. Yo, je vais être attendu ou pas du tout? Ça a pas l'air, je peux pas sortir mon arme. Leur religion tout entière. Une série de tablettes sumériennes vieilles de plusieurs millénaires. Il y a tout un tas de trucs chelous ici, mais ça alors, ça c'est spécial. Pourquoi elles sont pas dans un musée? Et puis, qu'est-ce qui leur donne le droit de les cacher à la population? Enquêtons ensemble. Ça dit de pas toucher, mais j'ai vraiment envie. Allez, juste un petit peu, allez quoi. Tout ce patrimoine culturel. J'ai tellement de chance d'avoir ce privilège. Oh, oh, hop là. Non, 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 non. Terminé. C'est creux. Elles sont fausses. C'est une grosse arnaque. Les gens qui rejoignent New Dawn, qui paient des millions pour pouvoir les voir, alors que c'est du pipeau. Aussi pipeau que leurs promesses. Hop là. Ouais. Ça fait du bien. Allez, je me tire. Casse-rousse. La troisième table. Ok, cool. Let's go. A décidé d'enquêter sur l'église de New Dawn et a découvert le crime et la corruption à l'état pur. Ils achètent des quantités astronomiques de données personnelles pour mieux cibler leurs ennemis. Ils savent vraiment tout de vous. Nous nous apprêtons à dévoiler tout ce que nous avons appris via nos canaux habituels. Lisez, vérifiez. Vous arriverez à la même conclusion que nous. New Dawn est une organisation criminelle qui intimide ses propres membres, détruit leur vie et s'empare de toutes leurs économies. Ne nous croyez pas sur parole, voici notre invité. Salut tout le monde, moi c'est Jimmy Siska. Vous me connaissez, j'ai joué dans des films à succès avant de me faire laver le cerveau par New Dawn et qu'il me force à dire tout un tas de conneries. Quand mes amis ont remis en question les pratiques pourries de l'église, ils ont tous disparu. Quand j'ai voulu faire pareil, on m'a enfermé dans une pièce toute bizarre contre mon gré. Ne vous inquiétez pas, la police a déjà ouvert une enquête. Mais alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette église? Ce que t'appelles la police, c'est DeadSec. Qu'est-ce qu'il y a dans les sous-sols? Mes amis de DeadSec vont vous montrer la vérité. DeadSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. C'est très intelligent de dire ça. Alors, les gars! Allez, pas la peine de nous remercier!
très intelligent de dire ça, de dire on vous a révélé la vérité, faites-en ce que vous voulez. Si vous ne nous suivez pas, c'est pas grave. On vous a révélé la vérité. Vous en faites ce que vous voulez. Et ça joue énormément sur la conscience. C'est génial. Yeah. Cassos en vrai. Moi je sais pas ce que je peux y faire de plus ici. On peut pas jump par-dessus ça. Non. Je trouve une sortie. Mais ouais, c'est très très intelligent et ils ont raison. Au bout d'un moment, en gros, en fait, ça veut dire voilà. Voilà la vérité, voilà ce qui se passe réellement. On vous dit que c'est la vérité, on vous prouve que c'est la vérité. Maintenant, vous nous croyez pas, on s'en fout. On vous l'a mis sous les yeux, vous en faites ce que vous voulez. C'est génial, c'est des génies. Yo, t'as Sanchez là, t'as je sais pas quoi là. Allez, bouge. Tu me la files. Allez, Cassos. Mission completed. Et hop! Presque 3000 followers. 300 000. C'est de la merde ta caisse, enfin ta moto. Dans un buisson. Et moi j'ai rien à m'empocher. Yo Citara, dis, tes affiches là, elles sont belles tu sais. On dirait presque de l'art. Mais va chier Marcus, c'est de l'art. J'en sais rien. J'y connais rien en street art, moi. Alors tu seras mon élève. Je t'envoie des coordonnées. On se retrouve là-bas. Ok, enfin, cool. Si t'arrives à les déchiffrer. Oh, yes, allez. Dans le prochain épisode. YouTube, pouce bleu, l'abonnement, la cloche si c'est pas déjà fait pour recevoir les notifications pour... et savoir quand est-ce que une prochaine vidéo sort. Et puis on se retrouve tout simplement dans quelques jours. Allez, des bisous.